Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut à toi Marie Yonga, Déborah, salut, salut à tous et à toutes. Comme d'habitude, je suis dans la nature. Prendre un peu d'oxygène, respirer un peu, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à organiser mes idées, ma réflexion. Donc ensemble, on va réfléchir sur quelques points aujourd'hui. Le paysage est beau, hein. Pour ceux qui sont en Allemagne, n'hésitez pas de faire un tour. Là, c'est vraiment beau. Partager, partager au maximum. Taguez-moi surtout tous les amis des Sardinats qui sont au Cameroun, qui nous dérangent tous les jours là. Taguez-moi tous les Sardinats que vous connaissez. Tous. Sans exception. Salut à toi Florence Diomo. Salut à tout le monde. Connectez-vous massivement, massivement et partagez. Connectez-vous massivement et partagez. On va parler de la situation actuelle au Cameroun avec le professeur Maurice Kamto. L'embastillement des membres du MRC. Les membres du MRC qui ont été battus, agressés, violentés par la police locale du Cameroun sous les ordres de Sogo et sous les ordres de Bangagélé. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Vous savez, chers amis, ça fait déjà un certain temps que je me tue dans les réseaux sociaux à vous expliquer que ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'Afrique. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas quelque chose de particulièrement particulier en Afrique. Quand quelqu'un a lu les concepts, les théories politiques d'Afrique, quand quelqu'un a lu la géopolitique, la géostratégie européenne vis-à-vis de l'Afrique, ce qu'on appelle les politiques du global nord vis-à-vis du global sud, il comprend exactement ce qui se passe au Cameroun. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui est assez révélateur pour le Cameroun. parce que le Cameroun a longtemps échappé à ce destin-là. Le Cameroun a longtemps échappé à cette guerre à cette guerre que nous Fuyons, à laquelle nous fuyons des. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à notre histoire. Quelle est la direction que le pays va prendre? Hubert Tiongele, tu veux te faire remarquer? Attends que je prenne ton commentaire alors. Là, on va bien te remarquer. C'est bon comme ça. Donc, ce qui se passe au Cameroun, c'est quelque chose assez particulier parce que le Cameroun Cameroun a toujours caché sa haine. le Cameroun a toujours caché le tribalisme. Institutionnalisé qu'on vivait avec un slogan. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun Cameroun a toujours caché la haine. tribal qu'elle avait en tant que nation vis-à-vis des anglo-saxons, des anglo-parlants, en disant que le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Le Cameroun, c'est un pays d'amour. Le Cameroun, c'est un pays d'équité. Le Cameroun, Cameroun, c'est une démocratie. Oui, voilà le slogan à travers lequel on a toujours caché beaucoup d'ignominie du côté du Cameroun. Et ça a empêché que beaucoup de personnes lèvent la voix. Parce qu'en levant la voix, on allait dire, mais toi aussi, tu es en train de remettre en cause même l'état du Cameroun. Et comme on sait que le Cameroun, c'est un état de paix, il fallait se taire. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont tues. Mais Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai eu de très 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 bonnes sources, c'est-à-dire des sources très intégrées qui ont commencé déjà à rompre le silence. Donc, c'est vraiment important que vous le souligniez. Il y a beaucoup de sources qui ont commencé à rompre le silence. Ça veut dire qu'elles ne se cachent plus. Ils ou elles ne se disent plus que voilà, demain elles vont profiter du système ou pas. Non. Donc, j'ai une source aujourd'hui. Je peux vous dire que cette source est très intégrée dans le MINAT. MINAT, c'est l'institution ou bien le ministère dans lequel travaille Atangandi. Appelé la Tangandi ou Joseph Vess, on n'a pas encore, voilà. Mais il y a des informations très concordantes dans le sens où ces individus reçoivent des menaces vraiment virulentes ces derniers jours de la part des États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez qu'on a lancé une campagne de sabotage vis-à-vis de l'homme qu'on appelle Robert Amsterdam. Pourquoi? Parce que Amsterdam aujourd'hui a réussi à toucher un élément que les Français ne voulaient pas toucher. Je ne dis pas qu'ils ne pouvaient pas, mais je dis qu'ils ne voulaient pas toucher.
Donc, dans ce direct, je vais vous expliquer élément après élément pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto, selon moi, a jugé bon d'appeler Amsterdam. Alors, je vais commencer très simplement, mais partager le direct. Vous ne soyez pas chiche avec les boutons, il suffit seulement que vous appuyez sur un bouton. Donc, vous vous rappelez la première arrestation du professeur Maurice Kamto, quand il a fait venir l'avocat Moretti. Il a fait venir Moretti au Cameroun et Moretti n'était même pas encore dans la liste de ceux-là qui pouvaient devenir ministre en France. Et Moretti, comme la plupart des Français, a un devoir, c'est le devoir de préserver d'abord l'intérêt de la France. Ce qui fait que Moretti a été confronté à ce conflit d'intérêts-là. Et après, vous n'avez plus entendu Moretti. Le rapport de Moretti, vous ne l'avez pas lu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que la procédure n'a pas pu avancer parce que la France tout entière, en tant que nation, était derrière le problème Moretti et Moretti était tenu. Ce qui fait que si Moretti continuait de défendre le professeur Kamto, il aurait été difficile pour Moretti d'aspirer devenir ministre de la justice en France. J'espère que vous on se comprend. Donc partant de là, Moretti avait des intérêts qui étaient donc divergents à ce que ce que la majorité aurait pu attendre, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui des avocats de France ou bien d'Europe en général qui défendent les Africains, parce que l'Europe a une richesse qui est basée sur la spoliation, sur le vol systémique des ressources de l'Afrique centrale et de ce qu'on appelle le golfe de Guinée en particulier. Et c'est dans cette constellation que si vous comprenez l'importance que les pays comme le Congo ou bien les Congos ont pour les pays occidentaux, vous allez voir que le Cameroun lui-même appartient au golfe de Guinée. Et c'est dans cette importance-là que le Cameroun aujourd'hui ne peut pas être laissé à n'importe qui. C'est dans cette constellation que le Cameroun ne peut pas être défendu n'importe comment, ou bien ressorti, ou bien éloigné, isolé du cercle de contrôle que la France a sur son précaré, ou bien ce qu'ils appellent les anciennes colonies, entre guillemets, parce que c'est plus ancien, ça a toujours été, ça reste des colonies, entre guillemets, même sur le Cameroun, comme l'a rappelé le professeur Maurice Kamto, n'a jamais été une colonie de qui que ce soit, parce qu'on se rappelle déjà dans les années 90, quelqu'un disait que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Donc, pour revenir à ça, je veux que vous compreniez que Moretti n'était pas forcément bien placé, mais Moretti a joué le rôle d'influence pour démontrer que le professeur Kamto pouvait avoir des leviers à l'international pour revendiquer en quelque sorte la liberté du peuple, le peuple camerounais. Et il pouvait donc justifier ce que de droit avec des avocats de cet acabit-là. Alors, maintenant, vous voyez que Moretti étant français et la France étant derrière tout ce que nous avons, étant étant comme celle-là qui tire les ficelles, il fallait absolument se défaire de la France. Et l'arrivée du professeur Kamto en France vous a démontré que la France ne soutenait pas le professeur Kamto. C'est la raison pour laquelle le professeur Kamto maintenant, pour la marche du 22, qui était une marche donc plus importante que celle que nous avions eue à l'époque, c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc le professeur Kamto, dans ce sens, est obligé d'aller au niveau supérieur. Il a été obligé de toucher une instance qu'il ne pouvait toucher qu'en dernier ressort. Mais pourquoi vous allez comprendre, pourquoi je vous explique ça aujourd'hui? Je vous explique ça parce qu'il est fondamental que vous compreniez la technique, la stratégie qui est derrière. Je ne dis pas la stratégie du professeur Kamto, mais je dis ce que moi je vois, ma lecture de la chose. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez certainement remarqué le silence lourd du côté des membres du MRC. Les membres du MRC sont extrêmement silencieux. Le MRC ne s'exprime même pas par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est extrêmement bizarre parce que si vous êtes... excusez un moment, le son va revenir, le son sera meilleur maintenant. Donc je disais, si vous êtes novice, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal. Pourquoi? Parce que le MRC depuis ne dit aucun mot. Le MRC depuis un moment ne se prononce pas. Et c'est fondamental parce que quoi? Le temps que la mamite est encore au feu, il vaut mieux parfois se taire et d'attendre que la mamite commence à bouillir, que le contenu commence à cuire. Et c'est à ce moment qu'on peut donc apprécier. Attendez que je m'asseye, il y en a qui se plaignent parce que je bouge beaucoup. Voilà. Donc c'est à ce moment que vous pouvez donc apprécier la qualité de la cuisson, quand la nourriture a commencé déjà à évoluer à un certain niveau de cuisson.
Donc, je vous expliquais au début pourquoi est-ce que un Français, avocat français, ne peut donc pas être apte à soutenir. Pourquoi est-ce que un Français ne peut pas être apte à soutenir les intérêts d'un pays en Afrique? Le cas du Cameroun en particulier, parce que le Cameroun regorge de tellement de richesses. C'est Simon Bissi qui dit que le son, mais au lieu d'écrire le son et en te couper, partage même d'abord le direct. Partage même le direct d'abord, ça ne te coûte rien de partager le direct, mon frère. Ou ma soeur, je ne sais pas si tu es un frère ou une soeur. Donc, voilà. Salut à toi Naomi Traoré, content de te voir. Alors là maintenant le son est bon, allez-y confirmez-moi. Mais de toute façon je vais continuer, si le son est bon ou pas, vous allez pouvoir monter le volume chez vous. Donc je disais ceci. L'avocat qui est un avocat français ne peut pas défendre les biens du Cameroun parce que la France va le lui empêcher. On va le tenir par ses intérêts en France, il ne pourra donc pas le faire. Donc maintenant de prendre Robert Amsterdam, c'est fondamentalement important. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous allez voir que la France n'a donc plus le contrôle sur cet avocat-là et ne peut donc pas réagir ou ne peut pas donc handicaper le processus de libération que cet avocat va mettre sur pied. Et Amsterdam, donc maintenant, il faut comprendre que c'est extrêmement important parce que ça parle de la géopolitique internationale. Il y a un monsieur dans le monde ici que nous connaissons et que vous connaissez certainement qui s'appelle Donald Trump. Donald Trump, c'est l'un des politiciens américains les moins aimés par les Européens. C'est l'homme américain, l'homme politique, le président américain le moins aimé par l'Europe. Pour une raison simple, c'est que c'est d'abord premièrement un homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, lui, c'est son business qui l'intéresse. Et dans son business, c'est un gagnant, c'est un vainqueur. Donc, il est dans une démarche où il met tout gagner. Il met tout en exergue pour gagner. Alors, dans cette logique-là, Donald Trump n'est pas là pour satisfaire forcément les accords qui ont été passés avec d'autres présidents américains. Mais ce qui l'intéresse, c'est que lui, il prospère. Ce que lui, en tant que président, soit l'un des meilleurs présidents. C'est ça qui l'intéresse. Donc, il gère les États-Unis comme il gère ses entreprises. Il gère les États-Unis comme il gère son business. Et dans cette constellation, donc, il ne regarde donc plus les intérêts français, les intérêts allemands, les intérêts des Européens. Là. Et c'est ça qui les énerve. Donc, dans cette constellation, on veut donc tout faire pour que l'Amérique n'ait donc pas la mainmise sur un État en Afrique. Je suis d'accord avec vous. Pour ceux qui, d'ailleurs, vont me dire de pactiser ou bien de se rapprocher des États-Unis sera en quelque sorte comme de changer de maître. Ça veut dire quitter du dictateur, du colon, du dictateur français pour le dictateur américain. Oui, beaucoup me diront ça. Ils n'auront pas tort. Mais à un moment donné, le mal que la France a infligé au Cameroun et à l'Afrique en général est si profond que même pour le mal, comme on dit parfois, vaut mieux que le Cameroun n'appartienne même, que ça n'appartienne à personne, à tout le monde sauf à la France. C'est vrai que c'est un peu puéril de le dire ainsi, mais je crois qu'avec les États-Unis, pas qu'on aille forcément faire un lien avec eux, je veux que vous compreniez sur le plan technique, sur le plan géopolitique, pourquoi est-ce qu'il est plus compréhensible que le procès. Maurice Kamto ait fait appel à Amsterdam quand un avocat français, c'est parce que donc les intérêts que les États-Unis défendent aujourd'hui sont en contradiction radicale avec les intérêts défendus par la France. Et la France a imposé à l'Afrique en général un système qu'on appelle le système de la France-Afrique. Et ce système de la France-Afrique est clairement déterminé par le fait que avec les organisations comme ce que vous appelez la francophonie, il y a toujours la même mise sur les présidents et sur les ressources de nos pays. Et c'est fondamental. Par contre, les États-Unis, eux, ce sont des businessmen aujourd'hui. Ils veulent des rapports gagnants. Si vous leur donnez le cobalt, eux, ils vont vous donner quelque chose en retour. C'est de ça qu'il est question. Si, mais je suis d'accord, c'est pour ça que c'est moi qui ai dit que c'est puéril. C'est pour ça qu'il dit que c'est puéril, oui. Mais il est nécessaire de comprendre que d'aller vers la France qui tourmente, assassine, tue sans règle, sans vergogne, sans souci, sans se prévaloir, sans s'interroger sur quoi que ce soit, sur les termes même de la vie, et ose s'appeler pays des droits de l'homme. C'est une insulte même vis-à-vis de l'intelligence humaine. C'est pour ça que je dis, même pour le mal, comme on dit,
vaut mieux même se rapprocher parfois de l'ennemi de ton ennemi pour être assuré d'être en sécurité vis-à-vis de ton ennemi direct. C'est de ça qu'il est question. C'est un jeu politique. Il faut comprendre ça. Et le professeur Kamto aujourd'hui, c'est un homme politique. Vous ne pouvez donc pas refuser qu'il agisse comme tel. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut comprendre que pour lui, il était fondamental d'abord de se distancer de la France, parce que n'importe quel avocat de la France est tenu par un secret et par la conservation et la protection des biens d'abord de son pays. Aujourd'hui, la vendetta qui est organisée contre l'avocat Robert Amsterdam est organisée uniquement sur la base que c'est un homme de l'étranger. Kamto serait parti chercher un avocat de l'outre-mer. Kamto serait parti chercher un avocat blanc pour venir le défendre dans un problème camerounais. Ce discours vous dit quelque chose. C'est le même discours qu'on a utilisé quand on a mis le professeur Kamto en prison et que Moretti est venu au Cameroun. C'est le même discours. Donc, il faut déjà qu'on détruise cette argumentation-là. Il faut déjà que vous et moi, on détruise cette hypothèse que le professeur Kamto est celui-là qui va solliciter le blanc pour venir attaquer les Camerounais. Non. Je vais vous démontrer d'abord que c'est faux, directement en quelques éléments. Premier élément, le gouvernement camerounais, dans son ensemble, dans sa généralité, ça veut dire du premier ministre jusqu'à la secrétaire du cabinet de qui que ce soit, tous ces gens ont leur compte bancaire, pas au Cameroun, leurs comptes bancaires sont chez les Blancs dont ils parlent. Premier point. Deuxième point, leurs conseillers stratégiques, la plupart des présidents africains aujourd'hui sont des conseillers blancs dont ils parlent. Le troisième point dont je veux que vous sachiez, dont je veux que vous ayez la tenace, c'est le point selon lequel même les avocats de Paul Biya sont des avocats européens et français en particulier. Donc partant de là, il n'y a donc plus matière à dire que le professeur Kamto est parti chercher les blancs pour venir le défendre. Voilà les premiers éléments que vous donnez. Deuxième élément maintenant, on évolue, ça c'est les éléments les plus bas. Maintenant on monte d'un palier. Le premier palier c'est quoi? C'est que ceux qui garantissent la souveraineté du gouvernement actuel, ce ne sont pas les Camerounais, c'est l'armée camerounaise. L'armée camerounaise qui est formée par des Blancs, qui est payée par des Blancs, qui est formée même encore par des Blancs. Vous voyez qu'à ce niveau, il n'y a pas matière à attaquer le professeur Kamto là-dessus. Troisième point, les avocats qui sont les Noirs vous ont fait des rapports qu'ils sont partis chez le professeur Moïse Kamto pour essayer d'entrer dans son domicile. Ils ont été repoussés comme des malpropres. Parce que le système noir, le système camerounais ne reconnaît pas la contradiction. Et partant de là, aucun avocat, il y a des avocats au Cameroun qu'on met en prison. Il y a des avocats au Cameroun aujourd'hui qui sont enfermés. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont voulu défendre quelqu'un contre quelqu'un qui avait un nom. Au Cameroun, si vous avez un problème avec un monsieur qui est procureur, qui est avocat, qui est député, qui est ministre, vous êtes sûr d'une chose, il n'y a aucun avocat dans tous les quatre coins du Cameroun qui sera capable de vous défendre. Parce que votre dossier, il va le froisser juste et il va dire à son frère que non, c'est mon dossier, il est ministre, il est le frère du ministre, il est le petit frère du général, on va jeter votre dossier. Donc au Cameroun, le problème camerounais ne se règle pas avec la justice, ça se règle avec la force. Partant de là, c'est un argument caduque. Donc allez encore dire à Bandakani que c'est comme je le dis toujours, chaque jour, Bandakani, je n'aime pas insulter les gens, mais je dis, le simple fait qu'on lui donne le droit de parler devant les Camerounais comme ça, c'est une insulte même vis-à-vis du peuple camerounais. Allez dire à Célestin Djamène, qui n'a pour mamite, dont la mamite est ici en France, le groupe, l'organisation qu'ils ont créée ici pour défendre la diaspora là, je ne sais pas c'est quoi là, ce qu'ils ont créé en France là, allez lui dire, parce qu'il est encore membre de ce truc là, allez lui dire que le professeur Moïse Kamto est dans son droit de prendre un avocat n'importe où dans le monde. Parce que si on reconnaît au professeur Kamto la compétence internationale, il faut qu'on lui reconnaisse aussi la compétence d'un calendrier et d'un répertoire international. Si vous avez quitté le Cameroun pour aller en France et vivre en France, ce n'est pas pour revenir vivre au Cameroun comme quelqu'un qui n'a jamais connu la France. Il y a quand même des avancées, pas parce que la France vous permet de mieux avancer, non. Mais il y a des thèmes, il y a des évolutions que vous aurez, il y a des découvertes que vous aurez, il y a de l'expérience que vous acquérez. Et cette expérience-là, vous devez absolument la mettre dans votre vie. Sinon, ça ne sert à rien que vous évoluiez. Ça ne sert à rien que vous développiez.
Donc, dans ce contexte, le professeur Kamto fait bien d'appeler Amsterdam. Et ça fait tellement mal parce que Amsterdam aujourd'hui est dans la constellation américaine. Et les Américains ne veulent pas sentir la France dans la gestion des ressources africaines. Parce que la France, avec tout l'argent qu'elle vole à l'Afrique, n'entreprend rien dans le monde. Je dis n'entreprend rien dans le monde. Il n'y a qu'à voir les rapports que la France a avec l'Allemagne pour comprendre que même le leadership de l'Union européenne est en train d'être totalement détruite par la France. Le leadership aujourd'hui est carrément donnez-moi le temps de rallumer les écouteurs. Même le leadership même de l'Europe, de l'Union européenne aujourd'hui, est assuré par l'Allemagne. Parce que la France n'arrive pas à gérer. La France a un système, déjà même qu'en Europe, l'Allemagne n'a pas de péage, mais la France est obligée de mettre des péages. Parce qu'il n'y a pas de politique intérieure qui puisse permettre qu'il y ait une certaine cohésion. Dans la France, vous voyez que la gestion même de la société, à travers la représentativité de ce qu'on appelle les minorités, est totalement détruite. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui soit ouvert à une crise communautaire que la France. Vous voyez un pays dans lequel on a compartimenté les zones. Il y a les faubourgs, les appelés chez vous, les gens qui sont appelés à ne jamais réussir. On met dans les rues, dans les quartiers retirés pour les écarter d'une quelconque once même de développement. C'est la même chose qu'ils appliquent chez nous en Afrique. Ils éloignent le vrai peuple de la gestion de la chose politique, en mettant devant ceux-là qui ne veulent même pas la liberté du Cameroun. Tous les gens, je redis encore, tous les Camerounais que vous avez aujourd'hui, qui vont sur la place publique, sur les médias, dans les médias, sur les plateaux télévisés et dans les sur les plateaux télévisés et radiophoniques, ce sont des personnes qui ne veulent pas, ceux-là qui défendent le gouvernement en place, ce sont des personnes qui ne veulent pas le développement du Cameroun. C'est la même chose que dans les années 50. Alors que l'UPC était en train de battre le tambour de la renaissance, était en train de battre le tambour de l'acquisition de notre souveraineté, de notre autonomie, les gens qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun, c'est à eux effectivement qu'on a donné la gestion du Cameroun aujourd'hui. Pourquoi? Pour se rassurer de ce que personne de ceux-là qui voulaient le changement ne prenne le gouvernement aujourd'hui. Pour se rassurer que les enfants des gens comme Oum Niobert, tous ceux qui étaient morts à cette époque au nom de la liberté, de la justice pour le noir, ne puissent jamais accéder à la gestion de notre pays. C'est pour ça que les gens comme Jacques Pham Dongo sont les pires gourous que l'Afrique ait connus. Les gens comme Paul Biya ont été, à leur temps, les pires gourous que le Cameroun ait connus, que l'Afrique ait connus. Les gens comme Jacques Pham Dongo, Paul Biya, qui encore, Bagangele, Martin Bagangele, Atangandi, ne sont pas des Camerounais. C'est ce qu'on appelle des hommes noirs, des hommes blancs au masque noir. Ce sont des hommes blancs au masque noir. Frantz Fanon expliquait ça dans son ouvrage. Ce sont des personnes, ce que vous appelez en réalité des nègres de maison. Mais ils sont même pires dans le niveau même des négritudes de maison. Donc, ils sont capables de vendre tout. Et ne croyez pas que c'est en allant à l'église, prier, que ces gens vont vous laisser. Parce que Dieu a exaucé vos souhaits. Depuis. Dieu vous a permis d'avoir la sagesse, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Il vous a permis, au-delà de ça, d'avoir les yeux pour voir vous-même, de vos yeux, ce qui se passe dans votre pays. Il n'y a qu'à voir la gestion du nos eaux pour comprendre comment est-ce que ce gouvernement est dans l'illégitimité totale, absolue. Il n'y a qu'à regarder sur les plateaux télévisés, les plateaux de télévision, les radios, pour entendre et regarder ce que ces infamies que ces gens disent. Je vous rappelle que c'est au Cameroun qu'un individu a osé dire que si ce n'était que lui, Paul Biya devait raser même tout le Cameroun, parce que même Dieu a rasé le monde plusieurs fois. Donc, il a ici déifié Paul Biya en faisant de Paul Biya un Dieu qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un. On est en 2020. On est en 2020. Même les colons qui avant faisaient marcher nos pères avec des chaînes au cou,
ne le font plus. C'est nous encore, nous, Africains, Camerounais, Camerounais, là. C'est comme ça que nous traitons nos semblables. C'est comme ça que nous traitons nos concitoyens. Et dans cette nomenclature, comment vous imaginez qu'un professeur comme celui de monsieur, comme celui que vous appelez Maurice Kamto, va laisser quelqu'un qui est en dehors de ce cadre-là pour venir chercher un avocat? Si le professeur Maurice Kamto cherche un avocat camerounais pour défendre son cas actuellement au Cameroun, c'est qu'il est en train d'exposer la vie de cet avocat-là. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je répète. Si le professeur Maurice Kamto va chercher votre père qui est avocat, sachez qu'il est en train d'exposer votre père. Parce que ce gouvernement ne va faire qu'une bouchée de votre père. Pas une bouchée dans la mesure où ils vont faire un procès, où ils vont l'humilier sur le plan du droit, non. Le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui, dont la compétence n'est remise en cause par qui que ce soit, a perdu face à ces gens, entre guillemets, lors du contentieux électoral. Vous savez comment il a perdu? Parce qu'on a déterminé que tout ce qu'il avait apporté comme élément de preuve était irrécevable. On est dans un pays où la justice du gagnant a toujours raison. On est dans un pays où le pays organisateur a toujours raison. On est dans un pays où le président fondateur a toujours raison. Donc, ceux qui viennent vous raconter sur les plateaux de télévision, là, que Kamto est parti chercher le blanc pour venir faire ça, pourquoi il n'a pas cherché un nom et tout, allez dire à ces marabouts de temps moderne que leur vampirisme là ne marche plus. Ce qui les énerve, c'est qu'ils ne sont pas capables d'arrêter Robert Amsterdam comme les autres avocats et le foutre en prison. C'est ça qui les fait mal. Parce qu'ils savent que leur violence, leur brutalité sans vergogne a des limites. Si Amsterdam est au Cameroun, ils ne peuvent pas l'arrêter et le mettre en prison. Parce que là, on touche le conflit diplomatique. Si Moretti, à l'époque où il était venu au Cameroun, arrivait, et qu'il était, par exemple, du Burkina Faso, on aurait tout fait pour qu'il parte. On a dit que le Burkina Faso, lui, n'arrive pas à gérer ses problèmes, c'est maintenant ici qu'il va venir. Ils ont toujours à redire. Maintenant qu'ils ont vu que c'est un gars, c'est un blanc, ils n'ont donc pas le pouvoir, la main mise sur lui. Il faut absolument discréditer en disant que Kamto est en train de venir apporter telle chose. Et il y a une autre question sur laquelle il faut que nous parlions. C'est la question de l'intégrité même, aujourd'hui, de ceux qui défendent le professeur Maurice Kamto. Parce que il est fondamental que vous compreniez, que vous vous rendiez compte qu'au Cameroun, les médias sont totalement muets. Je dis bien muets, comme des câbles. Ils sont totalement muets. J'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux. Un média camerounais, dont je vais taire le nom sans lui faire de publicité, a réussi à demander le soutien financier des Camerounais que nous sommes. Avant ce soutien, qu'est-ce que ces médias nous apportaient? Nous avons besoin d'informations. Et s'ils n'ont pas le moyen de rendre l'information publique, il y a des journalistes camerounais dans la diaspora. Il y a des journalistes camerounais aux États-Unis. Jusqu'au Vietnam, il y a des journalistes camerounais. Pourquoi ne pas envoyer l'information là-bas? Donc, chers amis camerounais, il faut comprendre que vous êtes dans un pays où tout le monde est muselé. Du prêtre de votre église où vous allez le dimanche, à la Bayam Selam que vous voyez souvent le mardi ou bien en semaine quand vous partez acheter les tomates, tous sont muselés, tous sans aucune exception. Vous voulez me dire que la maison du professeur Kamto, autour de laquelle aujourd'hui il y a la police, les militaires, les armes de guerre, ne sont pas capables, en tant que voisins, même de rédiger un rapport, même une plainte contre le gouvernement camerounais et d'envoyer ça même aux instances internationales? Il faut que vous vous rendiez compte de quelque chose, c'est que le Cameroun a longtemps fui son destin. Le Cameroun a longtemps fui son destin. Le destin du Cameroun, c'est de mettre tous les groupes culturels qu'il y a au Cameroun. On parle de plus de 256 groupes culturels. Il faut que chaque de ces groupes culturels puisse se sentir autant camerounais que n'importe qui est à Yaoundé. J'ai fait une discussion hier avec un monsieur qui nous vient, qui est du nord Cameroun, de l'extrême nord, vers Mokolo. Est-ce que vous savez quel est le périple qu'un Camerounais qui vit par exemple à Kapsiki mène pour arriver à Yaoundé? Vous classe là-bas,
il y a près de 200 élèves dans une salle de classe. Il dit 200 élèves. C'est ça la démocratie qu'Atangan dit et Jafam Ndongo nous vend. Mbagangele, je vous redis encore. Mbagangele, Mbagangele, Mbagangele. Ton fils avec qui j'ai fait le clé, j'ai encore son numéro de téléphone. Je vais le chercher dans mes anciens téléphones. Et je crois qu'on va commencer à exposer vos familles aussi, comme vous exposez la famille des autres. Célestin Diamène, je ne sais pas à quoi tu carbures. Je ne sais pas à quoi tu démarres. Mais il est temps que tu arrêtes. Quand on est dans un parti politique et que les règles du parti politique ne nous intéressent pas, on démissionne, on sort du parti politique. Tu as poussé le parti politique à bout parce que tu voulais que le parti politique te fasse partie. Qu'on t'éjecte du parti, là, comme ça, tu auras un alibi pour aller intégrer d'autres groupes en disant que tu étais trop visionnaire et dont le parti politique t'a repudié. Tu as décidé toi-même de prendre tes clics et tes claques. Mais décide aussi toi-même, en homme averti, de fermer ta bouche. Puisque ce que tu dis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le secret interne du MRC. Ce n'est pas la cuisine interne du MRC. En tant que quelqu'un qui était dans le MRC, tu aurais pu nous dire que tu as des informations. De sorte qu'on croit peut-être à la crédibilité de ta personne. Mais on ne peut pas croire à la crédibilité de ta personne. On ne peut pas croire à la crédibilité de ta personne. Pourquoi? Parce que au MRC, tu n'étais pas quelqu'un d'important. Parce que tu n'as aucune vérité, tu n'as aucune véracité. Tu n'as rien que tu dises que moi, par exemple, qui ne suis même pas encore dans les arcanes du MRC comme toi, comme certains connaissent. Donc, il y a la volonté de détruire un parti politique qui se voit. Et je comprends clairement le pourquoi le RDPC donne de l'argent à profusion à des individus pour qu'ils fassent imploser le MRC. Le MRC aujourd'hui, je le répète chaque jour, est en train de suivre les mêmes pas de l'UPC. On vous parle de dissolution aujourd'hui. Après la dissolution, on va faire entrer tous les membres de l'UPC, de vous voyez, je confonds déjà. On va faire entrer tous les membres du MRC dans la clandestinité. Salut à toi, confrère Cyril. On va faire entrer tous les membres du MRC dans la clandestinité. Il sera même déjà tabou de parler du MRC au Cameroun. C'est le cas, puisqu'on vous dit que sur 5 Ben Skinner, il y a au moins 3 déjà qui sont des gars en tenue, qui s'habillent en civil pour initier des conversations. Et si vous commencez à parler avec eux et que vous êtes contre le gouvernement en place, ils vont vous amener en garde à vue pour vous arrêter, pour vous faire payer de l'argent. Et dans les cas de marche, chaque marcheur qu'on arrête, qui marche avec les couleurs, les effigies du MRC, vous savez combien ils payent pour sortir? Au niveau de Douala, Douala 3e, Douala 4e, ils payent 100 000 francs pour sortir. Donc ça veut dire que 10 personnes qui sortent, imaginez l'argent que ce monsieur gagne. Donc c'est pour ça que quand on leur dit d'aller arrêter les marcheurs, ils vont comme dans une course en fait. Parce qu'ils veulent arrêter le maximum de marcheurs. Ils veulent arrêter le maximum de revendicants pour avoir après de l'argent quand on va les libérer. Parce qu'on les paye 100 maudits. 1000 francs. 100 000 francs par tête. Ils violent des femmes. Les femmes qui marchent là, il y en a qui n'auront pas la force de vous le dire. Mais il y a des femmes qui sont violées parce qu'elles ont marché avec le professeur Moïse Kamto. Et ces journalistes au Cameroun le savent. Parce qu'elles en parlent à certains. C'est quand cela ne réagit pas qu'elles nous contactent, nous ici en diaspora, pour nous le dire. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est au nom de la démocratie qu'on viole ces femmes. C'est au nom de la liberté du Cameroun qu'on viole ces femmes. C'est au nom de l'unité du Cameroun qu'on viole ces femmes. Vous avez vu une maman qui a été battue avec des morceaux de bois. Une maman. C'est au nom de la démocratie qu'on tape sur cette maman. C'est au nom de la démocratie qu'on agresse, qu'on humilie cette mère. Est-ce que c'est au nom de la démocratie qu'on impose à quelqu'un de chanter les slogans de Paul Biya? Est-ce que c'est au nom de l'indépendance du Cameroun qu'on ordonne aux gens qui marchaient contre Paul Biya de chanter pour Paul Biya? Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que vous êtes en train de supporter le faux? Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que vous êtes en train de supporter l'insupportable, l'inacceptable? J'ai appelé depuis plusieurs mois déjà à ce que nous, journalistes du Cameroun dans la diaspora, que nous nous mettions ensemble et que nous fassions un front commun pour mettre à nu
qu'on mette dehors toutes les informations que nous avons susceptibles de déstabiliser ce gouvernement. Je dis bien susceptibles de déstabiliser ce gouvernement parce qu'en réalité, il n'en est pas. Tant qu'on n'a pas la véracité de la présence de Paul Biya à Etoudji, moi je dis n'est pas question, il ne s'agit pas d'un gouvernement. Tant qu'on n'a pas la véracité de l'existence de Niadji Fendji, président du Sénat, on n'a pas affaire à un gouvernement. Tant qu'on n'a pas la véracité de l'existence de Kava Yege Dibul, président de la chambre basse du Parlement du Cameroun, on n'a pas en face de nous un gouvernement. Tant qu'on n'a pas en face de nous un texte signé qui démontre clairement qu'il y a eu une résolution ou un cessez-le-feu clair dans le Nozo, on n'a pas en face de nous un gouvernement. Tant qu'on n'a pas en face de nous une démonstration claire de ce que les élections qui vont se passer en 2025, si jamais ce fut le cas, que cela soit dans les règles, que cela soit dans les règles de l'art et qu'on soit clairement éclairé sur le fait qu'il n'y aura pas de bourrage des urnes. Qu'on soit éclairé sur le fait que l'ELECAM a été remise à jour et que le code électoral a été revu. Là, on aura face à un gouvernement, mais pour le moment, on n'a pas affaire à un gouvernement. Et c'est le devoir d'un journaliste de dire la vérité à ses citoyens. C'est le devoir d'un journaliste de venir remettre ça sur le tapis chaque jour, même s'il faille que de lundi à dimanche, nous disions la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. C'est notre devoir. C'est pour ça que nous tous nous avons signé, nous avons accepté de faire ce métier noble que le journalisme est. Il n'y a qu'un pas entre le journaliste et le prêtre. Je dis bien, il n'y a qu'un pas entre le journaliste et le prêtre. Vers les gens. Les gens vont vers le prêtre, mais le journaliste, lui, va vers les gens. On vient se confier sur le prêtre, mais le journaliste va chercher les confidences des gens. Faites votre travail, mes frères. Je salue ici vraiment, particulièrement, le travail d'un confrère. Je peux encore le dire, parce qu'au Cameroun, tout ce qu'on cite tombe dans les problèmes. Mais voilà, je salue ici vraiment la détermination d'un confrère journaliste, Jean-Bruno Tagnier. C'est pour moi quand même quelqu'un qui... Il s'inscrit dans un répertoire particulier au Cameroun. Vraiment, si vous avez Jean-Bruno Tagnier dans les jours, dites-lui. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Il fait son travail. On voit les blocages qu'on met autour des journalistes. Mais en dépit de cela, Jean-Bruno Tagnier est quand même le journaliste qui a réussi à faire une interview avec une photo. Et le message chez nous, les journalistes, tout le monde a compris. Parce que chez nous, l'image vaut 1000 mots. L'image vaut 1000 mots. Et il vous a démontré avec une image ce qu'il pensait. Et je dis encore, chapeau l'artiste, chapeau l'artiste, chapeau l'artiste. Voilà les gens dont on a besoin. C'est eux qui sont dignes de tenir les arcanes des médias nationaux comme la CIA TV, qui est devenue une radio tam-tam locale. Je dis encore merci à ces gens de personnes. Donc, courage à toi, mon frère. Voilà. L'autre point, c'est sur nous-mêmes. Je vais finir là-dessus. Nous qui soutenons le changement au Cameroun, il faut que nous soyons conscients de quelque chose. Nous voulons le changement. Nous voulons, les Européens, une façon de dire, disent, on veut le beurre et l'argent du beurre, mais je vais même aller plus loin. Je vais dire, nous, on veut le beurre et la boutique. Donc, vous allez dans la boutique de quelqu'un, vous voulez le beurre, mais vous voulez le beurre et sa boutique. Et pour ça, vous ne payez même pas. Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte du fait que c'est nous qui soutenons le changement, qui sommes en train d'exposer ce pour qui nous sommes. En train d'exposer ceux qui sont des nôtres. Je vais dire ça plus simplement pour que vous compreniez. Quand vous regardez comment notre révolution évolue, les activistes, les journalistes, les membres du MRC pour certains, dépensent chaque jour de leur temps, de leur argent, de leur détermination. Mais il y en a qui ne sont en plein que à insulter, à critiquer, à attaquer. Il faut que vous aussi, vous soyez capable de soutenir vos activistes. Il faut que vous aussi, vous soyez capable de faire front. On ne peut pas faire front à une dictature étant pauvre, mes frères. On ne peut pas attaquer une dictature étant pauvre. Parce que la dictature a toujours de l'argent. Si ces caisses sont vides, elle va demander à la France. Si la France n'a plus, la France va emprunter à l'Union européenne. C'est comme ça. Donc, il faut que vous appreniez aussi à soutenir vos proches.
arrêter de croire que la révolution est un métier. Ce n'est pas un métier. Parce que si nous tous, si on arrête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que vous compreniez que... Aujourd'hui, pour que la révolution perdure, il faut que nous ayons la capacité de retransmettre notre détermination à d'autres personnes. Vous avez des enfants en Europe. Vous avez des frères en Europe. Vous avez des maris européens. Demandez-leur d'intervenir dans vos confrontations. Demandez à vos maris européens, françaises, allemandes, tchadiens, pakistanaises de s'immiscer dans le développement, dans l'émergence du Cameroun. Demandez à vos maris français, allemands, chinois d'aussi s'intéresser à la chose du Cameroun. Quelqu'un ne peut pas t'aimer s'il voit que ton pays... Quelqu'un ne peut pas t'aimer et voit que ton pays va mal et que tu te bats pour ton Cameroun et ne fait rien. C'est qu'il t'aime, c'est pas vrai. Quand on aime quelqu'un, on aime aussi que la personne soit heureuse. Et ce qui se passe au Cameroun ne peut rendre aucun Camerounais sérieux heureux. Donc c'est pour ça que je vous demande de ne pas seulement venir en Europe pour vous battre, vous marier pour avoir les papiers, non. N'ayez pas honte de votre pays parce que dans votre pays, il y a le mal, non. Si dans votre pays, il y a le mal, c'est parce que le frère de ceux blancs ou celles blanches avec qui vous êtes ont voulu que ce soit ainsi. Il faut leur dire, montrez-leur du doigt ce que leurs frères ont fait, ce que leurs frères font. Je vous dis toujours, ce qui se passe chez nous en Afrique, c'est comme la situation de la femme. Tant que seules les femmes vont se lever pour se défendre, il n'y aura jamais de changement. Mais quand les hommes vont commencer à se lever pour que la condition de la femme change, elle va changer. Tant que le noir va seulement se lever, lui seul noir, pour que sa condition change, elle ne va pas changer. Mais quand les autres groupes culturels, les groupes humains vont se lever avec l'Africain pour que sa condition change, elle va changer. Ne venez pas me parler de panafricanisme, s'il vous plaît. Parce que le panafricanisme commence quand on a... Je suis en train de préparer un gel là-dessus. On en parlera, mais je le ferai avec mes abonnés du côté de YouTube. Où je vais parler essentiellement du panafricanisme. Vous allez vraiment adorer. Je prépare ça depuis près d'une semaine. Donc, pour revenir à ce dont nous parlions, parce qu'il faut rester linéaire, le professeur Moïse Kamto n'a aucunement tort d'appeler un avocat international, un avocat blanc, comme on dit, pour être trivial comme les autres. Le professeur Kamto est dans son droit. Deuxième point, le silence du MSC, moi personnellement, m'indigne. Parce qu'il n'est pas normal qu'en ce moment-ci, on n'ait pas les gars qui marchent dos avec les casseroles. Si les Camerounais, quand il y a la CAN, on gagne la CAN, on se bat dans tout le Cameroun avec les casseroles, les poêles, c'est le moment aussi aujourd'hui de demander aux Camerounais de sortir, de revendiquer le départ de la police devant le domicile du professeur Moïse Kamto. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir citoyen. Et c'est le MRC qui doit le faire. C'est le MRC qui doit initier cette démarche-là. De dire aux gens, tu restes chez toi, tu veux le changement, et pourtant, là, il y a quelqu'un qui peut t'aider à sortir de cette situation-là. Va aider à ce qu'il sorte et tu seras libéré après. J'appelle aussi ici particulièrement des personnes comme Edith Kabanwala. J'appelle ici Dieu Kamtchemeni. Tous ces gens que le professeur Kamto a vu avant de lancer la marche du 20 ou bien pendant qu'il organisait la marche du 22, c'est le moment pour vous de démontrer le pourquoi le professeur Moïse Kamto a fait appel à vous. C'est pour vous le moment de démontrer que le peuple camerounais puisse vous faire confiance. Parce que on ne peut pas faire une alliance comme celle-là. Le leader de l'opposition est embastillé chez lui et vous êtes tranquillement chez vous. Même pas un discours, même pas un message de galvanisation. Comme si vous ne rendiez pas compte au peuple camerounais. De la même façon que Paul Biya a le devoir de nous rendre compte, vous avez aussi le devoir de nous rendre compte. C'est quoi votre position? Votre but était d'exposer au professeur Kamto pour qu'on l'arrête? Votre but était de faire semblant d'être à vue pour que si la marche fonctionne, et bien que vous soyez dans les appareils de l'État? C'est maintenant. L'État se constitue quand ça chauffe. L'État, les partenaires étatiques, c'est quand on a des problèmes. Les partenaires étatiques, c'est quand on est en difficulté. Ce n'est pas quand on est déjà dans le pouvoir, quand on est déjà dans le gouvernement, que vous allez vous rappeler que vous êtes partenaire du professeur Kamto. Non, c'est maintenant. Demandez à Kabanwala et dites de sortir. Demandez à tous ses alliés du professeur Kamto, de la dernière minute qui était la dernière, de sortir. Vaut mieux être comme Paul Rikingé, de dire que je ne suis pas pour, je ne suis pas là, et rester dans votre position, que de jouer le grand écart. Nous n'aimons pas les équilibristes. Nous n'aimons pas les équilibristes. Donc, c'est le moment pour vous de rendre compte au peuple camerounais de ce que votre position est. On a suivi le discours de Cabral Libi, on sait quelle est sa tangente. De lui, on n'attend rien. De lui, on n'attend personnellement rien. Donc, vous qui vous êtes approché du professeur Moïse Kamto, on suppose que
c'est avec une idéologie. Faites-nous la savoir. Si votre idéologie, c'est de se cacher, attendre que les choses se tassent, pour revenir après nous dire que vous étiez à l'époque avec le professeur Kamto, l'histoire va vous confronter à nous et nous dirons au peuple et à l'histoire que vous allez vouloir écrire que vous mentez. Nous allons contredire votre histoire que vous écrivez. C'est pour ça que nous sommes aussi là. Et là, le malheur a voulu que nous soyons plus jeunes que vous. Donc, dans l'équation normale, donc je dis bien normale de la vie, hein, nous allons vivre plus longtemps que vous. Donc, ce qui veut dire que les livres que vous allez écrire, même si vous écrivez, vous laissez, nous, on va rester portés sans faux et on va faire un devoir de mémoire, un devoir de restitution de la vérité et vous ne serez pas dans la vérité. Parce que l'histoire, il faut que vous le sachiez, est toujours écrite par les vainqueurs et c'est nous les vainqueurs. C'est nous les vainqueurs. C'est nos enfants les vainqueurs. Ce n'est pas vous. Nous, nous inscrivons dans le temps. On veut finir par la grande porte. On veut finir en laissant derrière nous un travail accompli. On veut partir avec un sentiment de devoir accompli. Et c'est dans ce contexte que nous mettons tout aujourd'hui en œuvre pour libérer le Cameroun de ce qui reste du régime Biya. C'est pour ça que nous mettons tout en œuvre pour enlever les excréments, les saletés, les ordures laissées par le système Biya. Et ça ne passe que par une seule chose, c'est par l'adhésion générale. Tous les messieurs, toutes les dames qui sont aujourd'hui agrippées, parasitées avec le système RDPC n'ont qu'un seul objectif. C'est de faire durer les choses jusqu'à ce que... L'échéance de 2000, on a bientôt ce 2021, jusqu'à 2025, on va vous dire que Paul Biya est en évacuation sanitaire. En évacuation sanitaire, il ne pourra donc pas se présenter à l'élection. On va vous dire le RDPC a choisi un nouveau représentant. Le voici. On va encore tout faire avec le même système Elecam pour qu'il gagne les élections. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas tant que nous sommes là. Donc, chers amis, arrêtez de vous plaindre dans les bars. Arrêtez de vous plaindre dans les restaurants. La politique, c'est sur le terrain. La politique, c'est sur le terrain. Et je vais donner mon dernier message aujourd'hui. Chers Camerounais, activistes de la diaspora, il n'y a aucune loi. Je veux que ceux qui enregistrent les vidéos là, coupez la partie que je vais dire ici maintenant et faites de ça un partage général. Je ne suis pas chez moi, vous voyez, je n'ai pas mon ordinateur. C'est que j'aurais mis ça moi-même après sur les réseaux sociaux. Coupez cette partie et envoyez-la à ceux qui, dans les groupes camerounais, je vais passer mon message aujourd'hui à la diaspora activiste camerounaise. Il n'y a aucune loi sur terre, je dis bien aucune loi sur terre, qui interdit à un activiste d'être membre d'un parti politique. Je dis bien qu'il n'y a aucune loi sur cette terre qui interdit à un activiste, je ne sais pas, peu importe ce que vous fassiez dans votre vie, de faire votre métier tout en étant membre d'un parti politique. Ce qui veut dire quoi? Sur le plan de la loi. Il n'y a aucun argument qu'on puisse avoir contre vous. Et je demande donc aujourd'hui, je prends ça sous ma responsabilité, de vous dire, tous autant que vous êtes, que ce soit Marc Seigneur Ivoire, avec qui je ne suis pas d'accord sur plein de points, qui reste activiste, c'est parce qu'il est activiste, on a le devoir de se soutenir. Que ce soit Calibri Calibou, avec qui je ne suis d'accord sur, je ne suis pas d'accord sur plein de points, il est activiste et en tant qu'activiste, j'ai le droit de le respecter. Je suis loyal à tous les activistes qui bagarrent, qui se battent pour la cause du changement au Cameroun. Les raisons privées, c'est notre problème. C'est pas le vôtre. Que ce soit Kamo la Panthère. Pareil. Que ce soit Martin Tadio. Que ce soit Collins Nana. Lui, vous savez, voilà. Activiste, on est ensemble. Que tous ces activistes-là, vous tous qui êtes aujourd'hui des leaders de notre mouvement. Ce mouvement que nous observons, parce que je dis notre mouvement parce que c'est d'abord un mouvement camerounais. Je vous demande ici solennellement, si vous n'avez pas encore fait ça, rejoignez le MRC, premièrement. Deuxièmement, organisez dans vos circonscriptions des adhésions massives au MRC. Je vais reprendre pour que vous me compreniez. Je dis ceci, j'interpelle les activistes camerounais de la diaspora, tous les leaders, de faire massivement des personnes au MRC. Adhérez vous-même au MRC. Parce que, en tant qu'activiste,
vous êtes la troisième base de secours de nos mouvements. L'activiste, c'est un politicien convaincu qui ne passe pas par les voies politiciennes, c'est-à-dire les élections, pour défendre une idéologie, mais qui passe par le terrain pour défendre cette idéologie. Les manifestations, les actions coup de poing. Mais nous sommes dans un pays où la justice a fichu le camp. Nous sommes dans un pays où la norme a été écartée. Et dans ce point-là, sur cette base-là, vous voyez clairement que jusqu'à aujourd'hui, dans le MRC, il n'y a pas d'acteur dans le MRC qui soit capable d'impulser une dynamique aussi forte que nous. Je reprends ce que je vous dis. Jusqu'à présent, il n'y a pas dans le MRC quelqu'un qui soit capable d'impacter, d'impulser une dynamique aussi forte que nous, les activistes. C'est alors à nous de reprendre le flambeau. Et en tant que membre du MRC, on va déjà assurer le nombre. Parce qu'il y aura plusieurs. Si toute cette diaspora aujourd'hui, que vous appelez tontinard, devient des membres du MRC, le MRC ne sera plus appelé petit parti. Le MRC ne sera plus appelé petit parti. Et les infractions, les atteintes à l'intégrité physique sur les activistes qui partent manifester dans la paix, vont être directement imputées aux autres membres du RDPC, parce que les autres sont dans le RDPC. Le gars, le votre gars de Paris, votre gars de France là, j'oublie son nom, ils sont du RDPC. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, défendre le RDPC, sont du RDPC. Et il n'y a pas de raison pour que vous, on vienne vous dire que si tu es dans le MRC, c'est parce que tu es Bamileke, si tu es Bamileke, c'est parce que... Non, on n'a pas honte d'être Bamileke, premièrement. Deuxièmement, on est Camerounais, on a le droit, le libre droit de choisir dans quel parti politique on veut être. Et partant de là, rien ne vous interdit de rejoindre le MRC. Donc moi, je vous dis... Rejoignez le MRC et devenez des leaders du MRC là où vous êtes. Demain, le Cameroun aura besoin de vous. Et il faut que vous soyez capable de comprendre que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour valoriser l'image du MRC. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour valoriser l'idéologie du MRC. Parce que vous tous, vous êtes derrière le professeur Moïse Kamto. Et le professeur Moïse Kamto, c'est qui? C'est le représentant du MRC. Donc, ipso facto, vous travaillez comme des membres du MRC, mais sauf que vous ne l'êtes pas officiellement. Où est donc votre sécurité politique? Donc, je vous engage, chers amis activistes, de comprendre vraiment cette doléance que je vous soumets. Et je vous dis, vous allez voir que partant de là, ça va changer totalement l'échiquier du Cameroun. Il y aura, en termes de nombre, en termes de rapport de force, il y aura une différence. En prenant la carte du MRC, il y a une seule chose à faire, il y a une seule chose à prendre en compte, c'est de manifester pacifiquement. Et nous, dans la diaspora, il n'y a rien qui nous empêche de manifester pacifiquement. Il n'y a pas le BIC qui va nous arrêter. Il n'y a pas la DGE ici qui va nous amoindrir. Non, on est libre. Et il faut donc que nous, en tant que membres du MRC dans la diaspora, qu'on puisse démontrer qu'on est obligé, on est forcé à l'exil. On ne vient plus au Cameroun en tant qu'activiste, on viendra au Cameroun en tant que membre du MRC forcé à l'exil. Si ce gouvernement veut mettre des stratégies sur pied, voilà donc alors une méthode que je vous propose. Et je vous assure, vous allez voir vous-même comment ça va porter des fruits. Voilà, c'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon début de week-end. Et à ceux qui sont intéressés, il y a un lien là en bas qui vous permet de soutenir la chaîne. Hein. Ça me ferait plaisir d'avoir vos soutiens par là. Il faut aussi comprendre que c'est en fonction de ça que nous recevons des informations. Je vous ai dit, nous avons des correspondants au Cameroun. Et ces correspondants ont besoin d'Internet, ils ont besoin d'argent de moto. Donc, moi à mon niveau, Stevie Sam, j'ai investi beaucoup de ma part et à un moment donné, vous devez comprendre que voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on a besoin de vos soutiens dans ce sens-là pour que nous puissions faire et aussi vous donner des informations comme celles que vous avez toujours reçues jusqu'à aujourd'hui. Donc, le lien est en bas. Le lien est en bas, ça va apparaître peut-être là si j'appuie. Donc, vous allez voir dans la vidéo, il y a le lien. Voilà, le lien est apparu là. Le lien est apparu, vous appuyez sur le lien, c'est très facile. Vous mettez 1 euro, 2 euros, quand vous voulez. Pas grand chose, on ne veut pas beaucoup d'argent. 1 euro, 2 euros, au Cameroun, ça signifie beaucoup d'argent. Et permettez-nous aussi de permettre aux Camerounais qui veulent se battre pour la libération du Cameroun, de pouvoir vivre de ça. Donc voilà, chers amis, j'attends vos contributions, j'attends ce que vous apporterez.
Et je veux forcément, fondamentalement, que vous partagez cette communication à toutes les plateformes, YouTube, WhatsApp, partout où vous êtes, pour que les Camerounais comprennent que là, aujourd'hui, est à la lutte stratégique. Et en tant que lutte, et dans le cadre de la lutte stratégique, il faut d'abord avoir un camp politique. Et le camp politique doit être déterminé, défini. Voilà, j'ai fini. Bonne journée, bon week-end, on se retrouve à bientôt.